Ou ap bati, pas vrai? Eh bien, bon m'dou yon erreur pou pa fè. Erreur sa concerne façon pour replier et trier ou yon. Et trier yon, c'est si fait que nous avons une forme carré sa yon que nous mette dans le poteau yon avec tout yon. Alors, en pile moun, yon gen tendance replier et trier yon à 90 degrés. Façon ça. Deux points yon mette yon comme ça. Façon ça, li pa tout. Et ministère travaux publics gen code technique que le sorti qui dénonce déjà. Vraie façon pour replier et trier yon, c'est à 135 degrés. Dans style ça. Donc, je dis là, c'est ce détail ça que nous allons expliquer. Nous allons montrer qui est important. Pour commencer, on nous dit qui rôle que vous étriez gagné généralement dans une colonne. Premièrement, il est là pour lui reprendre effort tranchant. Effort tranchant, c'est qui s'allie. Par exemple, si on coupe fil fait ça là avec un ciseau. Donc, sollicitation sous fil fait. C'est un effort tranchant que lié. Deuxièmement, étrier permet que béton rete cintré en dans colonne. Parce que nous connaissons que béton en compression, c'est-à-dire étrier permet de rester en place pour le cacher. Troisièmement, étrier permet que fer qui tout long pour ne pas flamber. Alors qui ça qui flambe? Flambement, c'est tendance un élément gagné dans la compression pour lui fléchir dans une direction qui est perpendiculaire à la force qui est appliquée sur lui. Tant une colonne gagne plus étrier, c'est tant qu'il gagne moins chance pour le flamber. Nous allons montrer ça à travers une expérience que nous allons faire kounya là. Ça, c'est le poteau que nous disposons. Hein? Le poteau que nous allons mettre en pile étrier là-dedans, nous allons étrier en haut et puis yon en bas. Et quand nous allons mettre une charge sur lui, nous allons regarder comment nous allons comporter. Nous allons ça passer. Nous allons faire la même expérience là, mais dans le cas ça. Nous mettons plus étrier dans la colonne noire. Ça, c'est le premier étrier que nous mettons, deuxième, troisième. Et nous allons mettre le même poids que nous mettons à l'air et nous allons regarder ce qui va passer. Nous voyons, structure noire offre plus stabilité dans la casse. J'en nous sommes quoi là? Tant que colonne n'a gagné étrier, c'est tant qu'il y a moins de chance pour le flamber. Alors, qui est importance pour nous replier étrier mieux à 135 degrés? Quel rapport? Eh bien, bon, expliquez-nous. Les goudou-goudou passés, une n'a pas gagné que le fait, il éclate en haut bas de colonne. C'est-à-dire que étrier, quoi, il vient paraître de yo. Le point étrier rete en dans colonne comme ça, étrier vient plus difficile pour le sortir. Il rete en place. Tandis que s'il te replié comme ça, qui ça t'a pas passé? Point ça t'a pas battre dehors et t'a gagné tendance l'ouvrir. Le étrier qui te colonne qui ça passé là ça, fonction que t'a de rempli yo, pas gagne rien pour venir remplir là ça. Bâtiment a plus de chance pour lui flamber et puis il a plus de chance pour lui gagner une rupture d'effort tranchant. Par exemple, la colonne que nous avons gardé là, son bagage qui était passé à Bruges en 2001 lors de tremblement de terre. La colonne n'a pas péri parce que il n'a pas gagné assez d'étrier là-dedans. Et puis, ça que tu as gagné, tu as mal replié. Donc, s'il vous plaît, petit détail ça. Il n'y a pas coûté en rien. C'est juste replier petit point de ça, pas quitter au bas de dur. Faire entrer en dans la colonne.
sont des détails qui apparemment sans importance, mais qui capable augmenter sécurité ouvrage ou en considérablement.